Si on est posé calmement, suivez toujours les aventures, tout simplement, du rappeur Kuluna qui arrive lourd sale propre. Allez-y, téléchargez le son Fair Play. Et oui, regardez, les enfants m'ont offert un beau t-shirt. Voilà, parce que leur t-shirt avait été offert par tonton Colin. Et donc, ils m'ont dit, papa, nous, c'est trop petit pour nous. Tiens, on te l'offre. Bon, Kuluna, on dit quoi un peu la famille là? On est là, posé calmement. Regardez là, il y a le frérot Alan aussi qui est là, posé calmement zer. Ah oui, le hip-hop, le rap est posé calmement. La street zer de là. Les aventures de Kuluna. Bam, 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 restez connectés. Voilà, restez connectés, le Kuluna. Terre, voilà. Ensemble. Eh, mais pourquoi vous arrêtez pas un peu de se moquer, les frères là, hein? De se moquer de qui? Mais il faut arrêter de se moquer un peu. Faut arrêter. Ben oui. De se moquer, hein? Ben oui. Excuse-moi. Hein. Pas de se moquer de quelqu'un. Excuse-moi, moi je speak pas English, hein, frère. Excuse-moi. Ah, Kuluna, do you speak English? No, no, it's English, do you not speak English? you speak Ingala, hein? Ingala. No, speak Breng. Yeah, restez connectés, toujours connectés, c'est important. Il y a Biggie Stone aussi qui est là aussi. Il y a l'homme qu'on appelle Alan aussi qui est là, calmement aussi, qui vient donner de la force doucement, lentement. C'est les hommes qu'on Mais appelle sûrement. les hommes de l'ombre, c'est ça qu'on appelle ça tout simplement calmement. Car Kuluna arrive lourd, sale propre au cœur du terre-terre. Au cœur du terre-terre, sale propre, voilà. Comme jamais. Voilà, Kuluna, ouais, comme disait, voilà les aventures, l'épisode 2, tout simplement. Hey, on a balancé une photo où on voit toi, Biggie, on voit toi, comment s'appelle Kuluna, tonton Marcel. Avec la journaliste trop bonne de TF1, c'est voilà, ça. Avec la journaliste trop bonne de TF1 de 7 à 8. Les gens, ils n'ont pas compris comment ça se fait, justement. On va nous voir un peu sur 7 à 8, un peu là, justement. Parce qu'on est beau, c'est pour ça. Ouais. Oui, elle a choisi les beaux gosses et voilà. Voilà. Si vous aussi vous êtes beau gosse comme nous, il n'y a pas de problème. Effectivement. Voilà. C'est lourd, c'est là, c'est lourd, c'est sale. On a mis lors de cette première vidéo là, le coiffeur des stars, c'est lui qui te coiffe calmement. On voit bien que Kuluna il est toujours bien taillé, bien, c'est bien important taillé. Pour là, la. On voit pas trop parce que t'as vu, il n'y a pas de lumière, là. Ouais, effectivement. Voilà. Tu connais, c'est le terre-terre, hein, c'est tonton Marcel, hein, tu connais. Ouais, ouais. Pas le choix, c'est Louico hein, qui tu veux faire. Voilà. Louico, il est bien. Il est un peu plus éclairé que d'habitude hein, aujourd'hui quand même. Effectivement, oui, mais c'est normal. Tu lui as fait une petite beauté ou quoi? Ouais, non. Eh, mais déjà, même rien que tu dis le nom Wigo, déjà, on leur fait de la publicité. On leur fait de la publicité déjà, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, voilà, c'est le verre de Biggie Stone. On fait la publicité alors que la matière première vient du Congo. C'est les Kuluna. Oh, tonton, c'est chaud ça. Ouais. Attends, fais voir un peu ta caméra, tonton. Parce que là, tes fans, ils me voient pas bien là. Il est là, le Kuluna. Hein? Merci. Beau gosse, toujours bien taillé, c'est toujours important. Toujours bien taillé, c'est important. Comme dirait Naza et Quebla, c'est important pour la circulation du sang. Voilà, voilà. Mmh. À la famille, merci à vous, merci pour la force, continuez, oui. Partagez. Là, on est en mode télé-réalité au parc. Hein? Ça bouge pas. On est ensemble, force à vous les frérots. Merci pour ceux qui critiquent. Hey, comment ça voit une grosse tête, Kuluna, quand même. Hein? Mais non, arrête. C'est la blague. Merci à vous. Merci pour ceux qui supportent. Merci pour ceux qui critiquent aussi, il n'y a pas de problème. Ouais. On est tous ensemble, seule la victoire compte. Hein? Ouais. Je vais raser la beubar, là. Justement, Kuluna, aujourd'hui, justement, le sujet, c'est un peu les haineux sur dans les commentaires, les haineux sur Internet. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça, de tous ces haineux? Moi, je les aime bien, les haineux. Hein. Ouais. Tu sais, plus tu as des haineux, plus ça veut dire que les mecs ils regardent. Mmh. Parce que celui qui aime pas, moi si j'aime pas quelque chose, je regarde pas. Et je commente pas. Et je ne commente pas. Tu peux peut-être, on peut regarder, mais on va pas commenter en mal en fait, tu vois ce que je veux dire? Voilà, non, dans le pire des cas. À partir du moment où une personne commente et critique, pour moi la personne elle a regardé. Ouais. Donc au final, c'est pas un vrai haineux, c'est un supporter en fait, c'est un fan. C'est un fan, mais qui sait pas. Un fan refoulé. Ouais. Voilà. C'est un fan refoulé. Non, c'est comme les hommes qui désirent sortir avec une femme, mais qui ont été rejetés par la femme. Ou ils sont obligés de la traiter de la salope parce que. Et lui dit, comme il elle sait a qu'il ne jamais se la faire, alors il la traite de salope. Voilà, il sait qu'elle ne voudra jamais lui, alors il la traite de salope. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors qu'une femme, même si elle rejette un homme, c'est pas parce que. Ça veut dire qu'elle ne t'aime pas, mais c'est tout simplement elle ne veut pas sortir avec toi, mais elle apprécie l'homme que tu es. On n'aime pas les hommes. Ouais, effectivement, nous, on n'aime pas les hommes. Bon, c'est vrai qu'on est là, posé calmement ici, au cœur du terre-terre, restez connectés. Bientôt, retrouver l'épisode, tout simplement, 3, les aventures du Kuluna devant la caméra de tonton Marcel Oursal propre. Avec comme qu'on appelle. Avec qu'on appelle Biggie Stone. Partagez le son. Ouais. Fair Play, toujours en ligne. Toujours en rotation sur Génération aussi. Toujours en rotation sur Génération pour 6 mois. Ouais. Hein, pour 6 mois. Voilà. Voilà. Voilà.
Et bientôt sur Skyrock. Bientôt, Inch'Allah. Et bientôt sur TF1. Voilà. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble, on a pris du gris-gris. Voilà. On est ensemble. Voilà. On va faire fonctionner le gris-gris d'Afrique, voilà. Là. Et on m'a dit, tous ceux qui réussissent dans le rap français ont forcément un gris-gris ou un marabout. Voilà. Donc restez connectés. Ce qui est sûr, le gris-gris de Kuluna est en train de faire. Moi, mon gris-gris, effet. C'est tonton Marcel. Ouais. À bientôt, la famille. Ciao. Bah, épisode 3, demain ou après-demain, ou l'autre demain ou après-demain, comme vous voulez. Ça dépend de notre humeur. Voilà, mais à partager, adhérer à l'univers, on est des OM simples, cool, lourds, sales, propres, comme dirait tonton Marcel. À bientôt la famille. Ciao. Et vive la France, comme dirait Biggie Stone, bleu, blanc, rouge, vive la France, c'est important. Parce que nous sommes des Français. Et les Français aiment la France. Et moi, j'adore la France. J'aime les Français, je vous adore, je vous apprécie. Et moi, je suis africain. Mais oui, je suis noir. Voilà. Mais je suis pas. Hey, les aînés là qui mettent des faux commentaires. Là. Ouais, ouais. Tu vois les aînés qui mettent des faux commentaires. Ouais. Ces mecs qui nous connaissent. Ouais. Mais ils, tu on vois, les ils... connaît, on se connaît. Mais c'est pas grave, les frérots, on vous en veut pas. Il s'agit de mettre le vrai compte. Voilà. La tête. Voilà. Mets ta tête. Mets ta tête. Bon, restez connectés parce que on va couper avant que les faux commentaires commencent à arriver. Ils vont dire ah, regarde, ils sont tous noirs, on les voit pas. Tu connais. Allez, ciao.